Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de la guerre des pipes. Oui, j'avais envie. Vraiment, j'avais envie. J'aime bien ce jeu, je vous l'avais dit que j'aimais bien ce jeu, parce qu'en fait j'aime bien le jeu. Il me reste 4 boys, ça vaut pas le coup. Je vais économiser mes tickets au cas où il y aurait un truc qui pèserait lourd. Ok, on va prendre du boy. Un cadoun. Bon, attendez, je suis en train de tout balancer, mais je sais même pas ce que j'affronte. Qu'est-ce que j'affronte? Ah! Ah, on affronte quand même des vraies embrouilles. Des vraies embrouilles, mais il y a que des piétons. Donc c'est pas non plus... Oh putain, oui, alors si on prend un clébard, on leur roule dessus. Je prends juste des boys de base. Et un clébard. Terminé. On va leur rouler dessus. Un canon, ça aurait pu être intéressant. Corps ingénieur. Toutes les constructions coûtent 50% moins cher. Sac de sable, pompe, mini-tourelle. Ouais. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça qui va m'intéresser. Plus de points de déploiement au départ. Ça, je crois que ça aussi c'est pas mal. L'expérience donnée par les ennemis tués. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout même. Ça peut faire la différence. Pour ceux qui se posent la question. Opération puits du désespoir. Enfin, puits de désespoir. Let's go. Lance les boys. Ah ouais, on rentre tout de suite là. La crise. Vague d'ennemis en approche. La crise. Ah, c'est vrai que les chiens sont pas disponibles tout de suite au début. Tire dans le décor. C'est à rien, bro. Lâchette de go. Oh, ils ont broyé la gueule. J'ai pas assez de place pour invoquer le dernier gars, non! C'est bon. Le dernier boy est tombé. Les musiques sont cool, hein. C'est le point de musique. On leur a roulé dessus. Avec des boys éclatés. Hein. Ce qui est marrant, c'est que la première fois que j'ai joué à ce jeu, je voyais pas du tout le potentiel des boys. Du coup, pour moi, ils étaient juste éclatés. Ils étaient nuls. Alors qu'en fait, bah, ils sont beaucoup trop forts. Assaut! Vite, les gars, assaut! Trop bien ce jeu. Il est parfait, il a aucun défaut en fait. C'est moi en plus, c'est ça le pire. C'est que le jeu est vraiment juste très bon dans ce qu'il fait quoi. C'est quoi l'autre campagne possible? C'est... Ah, en gagnant un tank. Hein. Là il y a un véhicule, mais il y a surtout une pompe à gasoil. Et on est là pour ça. On va chercher une petite pompe à gasoil. On prend juste ça, je pense que c'est bien. Hein. On va prendre un petit sac de sable si on veut. Pour le kiff. Voilà. Sac de sable en promo, non c'est bon, je te le laisse, t'inquiète. T'inquiète, Biket, je te le laisse. Plus d'XP plus vite. Déploie la troupe.
Allez, c'est parti. Ça part. C'est déjà gagné. Ce que vous savez pas, c'est qu'on a déjà gagné en fait. Les musiques sont bonnes. Ça régale. Hein. On va arriver sur la toile. Là, on va se casser les dents. Là, la squad de boy, elle va souffrir. Allez, la toile, les gars, la tourelle. Squad de boy qui fait tellement le taf. On a fait tout ça pour rien. Juste des boys. Des boys et de la vitesse de combat. De l'attrition. Allez, c'est réglé. Ici. Juste avec les boys. Juste avec le boy éclaté de base. Par contre, il y en a un, je sais pas pourquoi je l'ai pas. Je connais pas le système de distribution de loot du jeu. Ou alors, je sais pas si c'était prévu. C'était prévu que je touche rien. Il y a quoi ici? Oh, il y a un clébard à aller chercher. Oh, un clébard et on sait pas quoi. Hein. On va le chercher direct. Juste des boys. J'ai dit, juste des boys. Il y aurait du cycle des vagues. C'est parti pour l'opération Popcorn. Popcorn allégé. 0% de matière grasse. Ça part, y a pas de toile. En plus là on est sur un petit classique hein, tranquille hein. Vraiment y a pas de toile, y a rien, on va arriver, on pisse dessus quoi, terminé. J'aime trop en plus le design pixel qui est qualitatif je trouve. Et en même temps volontairement très dégueulasse. Genre on voit tout est très beau mais vraiment on a fait vraiment du gros pixel qui tâche même sur le décor au fond. Maximale. On va faire courir les gars derrière. Ah non, trop tard, la première vague a été éliminée. On sait les gars. Oh là là. Ils sont mal. Oh, est-ce qu'on va perdre contre ces gens? Le camion nous a mis si bien. Le camion nous a mis si bien. Assaut. Hein. La Dream Squad. On s'est fait tout laver quoi d'un coup. C'est eux là. Eux là ils nettoient tout le monde là. Après ils vont avoir l'avantage du couvert. Donc, le nombre de cartouches qu'on envoie. Ok hein.
L'argent ne sert à rien. On n'a pas dépensé un billet. Rien du tout. Ah, l'escouade est assez compacte. On peut faire quelque chose. Il y a assez de monde, je pense. Personne, tout le monde s'est fait Mickey Dados. C'est la voiture qui me met dans le mal. Elle décharge trop de gars. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais tenter de faire. Il reste plus un élément de décor tellement j'ai balancé de cartouches chez eux. Regardez ça. Regardez cette pluie de cartouches au sol. Oh là 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 là. Il va me relâcher des mecs, hein. On va la perdre. Pas la perte quand même. Pas comme ça, Zinedine. Nous refusons. Ah, il nous allume de si loin. On souffre tellement. Fait repousser la bagnole, on a rien à foutre, elle continue à nous décharger les gars à l'infini, elle s'en fout. Au secours. Vous vous sentez reculé là? Allumer! Au secours! Allez, vous êtes compact, vous avez l'avantage du couvert, les gars. Mettez-vous à couvert. Sauvegardez vos vies! Elles sont précieuses! Bon, bah là, c'est que du terrain découvert, hein, les gars. Ça y est, là, on se fait nettoyer. Hein. C'est reparti. Hein. Il reste un gars, vous me le tombez. Allez, c'est juste une voiturette. Après, c'est la voiturette, c'est tout. Oh, putain, il se barre en plus. Il me rend fou. Allez, elle fume cette caisse. Allez, c'est bon. On a détruit notre ennemi, la bagnole. Vas-y John, seul contre tous. C'est ta guerre, c'est ton pétrole. Tu veux que les bourgeois puissent continuer à rouler avec des gros 4x4? Alors toi, t'es obligé d'utiliser une vieille caisse qui a 80 ans. Oh, les boys de base commençaient si fort. Deux boys de base. Alors ça. Hein. Ça c'est cadeau. Faut rigoler. Bonjour. Ah ouais, on peut pas. Je peux pas te mettre. Je crois que j'avais déjà essayé. On peut pas mettre de boys de base, effectivement. Des véhicules, des tourelles, des... Alors là, on est foutu sur des vraies affaires très sérieuses, des champs de mines entiers, des affaires très sérieuses. Mais je pense qu'on va aller chercher notre blindé, hein. Je pense qu'on vient pour ça, hein.
Du boys. Du war boys. Des yinches. Un lance-quéquette. Acheté. On va pas l'envoyer sur le terrain, lui. Pas de cul. De toute façon, pour l'instant, on a rien. Ouais, on peut vendeur d'armes en plus. Non, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, je trouve ça du pognon gâché. C'est. Là, on a tout ce qu'il faut pour mener une guerre de qualité. Pizza sans ananas. Là, c'est pour dire à quel point l'OP elle déconne plus, quoi. Voilà. J'ai plus assez de. Je peux plus invoquer assez de mecs. C'est de la tuile. A partir de là, il nous faut des effectifs. Ah oui, c'est la tour, elle est là, ok. Ça va, elle est pas trop loin. Ok, mais encore. Voilà ce que j'en fais de ta vague ennemie. Ça s'est pas passé par rien d'un coup. Hein. On est tellement en mode budget pas cher. Allez, facacité meurtrière quoi. On se régale. Enfin, moi je me régale. Hein. D'une triple des larmes. Ah oui, alors je vous préviens aussi, hein, moi j'ai l'intention de tout tourner d'un coup là, mais j'ai un travail, donc en fait il se peut qu'à n'importe quel moment. Oh, je peux récupérer plus de boys. Nous on peut se faire un boss légendaire. Attendez, quelle heure il est ? Ah, ouais. On va aller se faire un boss, je crois. Hein. Plus de l'heure, je crois qu'on va aller se faire un boss. Ouais, l'épisode risque d'être coupé. Ok, on va se faire un boss. Un boss avec un tank là, tout de suite. Pff, bon, les gars, vous êtes gourmands. Hein. On va se prendre une tourelle avec nous. On se garde le gros pour plus tard. On n'a pas ce qu'il faut pour acheter un autre shield. Or, c'est pas inintéressant d'avoir un autre shield. Allez. Et du coup, on n'a pas ce qu'il faut. Paf, opération escouade de mouette. C'est l'heure du mouettaille. Blague. C'est trop loin. Ah, j'ai pas de précision, ok. On est trop loin. Faut que je vise depuis un certain temps pour avoir une précision, ok. Et 0%, je touche rien. Dommage la base ennemie. C'est un peu triste. Bon, ça marche pas leur truc, hein. Toi, c'est pas ouf, hein. C'est très bien en défense, je suis pute, hein. Ah, on la voit par contre, j'avais pas fait gaffe, on la voyait. Voilà.
Sert à rien. Sert à rien du tout. Ah, ça y est, le héros ennemi t'en approche. Ouah, avec un camion mitrailleuse et tout, là. C'est vraiment ça, ta portée de tir? Ça va, la triche? Ça ventile bien comme flingue, hein. C'est intéressant, hein. La famille de ce boss, car le DPS est costaud, hein. Fumez-moi cette connasse. Dépêchez-vous. Voilà. Il a fallu une bande de dogo pour régler le problème. Il n'y a plus problème. On commence à bien couvrir un peu là. Sorceller! Et ben voilà, on aura fait un boss. On aura fait un boss. On l'aura nettoyé. Et on aura gagné moult dogo. Les chiens sont si forts. C'est la meilleure arme du jeu en fait. On pourrait tracer tout droit, mais nous on veut faire exploser le level de puissance ennemi, quoi. C'est un peu l'objectif. On pourrait gagner un nouveau puits de pétrole. Là, il y a plein d'ennemis qu'on n'a pas vu. Hein. Ouais, je vais peut-être choisir des unités pour y aller. Je suis d'accord. Ça a l'air un peu chaud quand même. Hein. Je pense qu'on va reprendre un chien parce que ça a l'air d'être un peu chaud leur histoire. Puits de pétrole, on en a plein. Ouais, mais j'ai pas besoin d'argent là où je vais. L'argent n'est pas un problème là où je vais. L'argent n'est pas du tout un problème même. Non, bah j'ai besoin de rien d'autre. Hein. Oh, la petite promo là. On prend direct. La tourelle lance-roquette d'autodéfense, c'est validé. Hein. Ah oui, c'est 80 pour plus d'XP. Plus de troupeau de déploiement. Des arguments. Opération cure-dent malvoyant. Ça c'est vraiment un nom d'OP. Il y a double tourelle. Double tourelle au même endroit. C'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Ah, ils l'ont abattu. Ils ont nerfé l'étoile ou ça se passe comment? On va payer les chiens, on va le prendre. Hein. Let's go. Yeah.
vélocité des chiens. Plus de gars. Plus de boys. Il est en train de saucer une toile tout seul, lui. Avec le courage de toute une armée. Hein. Oh, il s'est saucé une toile solo cul. Oh, le brave. On n'en voit que des boys. Vraiment, c'est... Il y a et un professionnel de la guerre au milieu. J'ai l'impression de jouer à Warhammer 40 000 avec ma bleusaille et mes vétérans quoi, de la garde impériale. Quoi. Ça s'intensifie, il y a un petit véhicule qui est arrivé. Vous me demandez c'était quoi les petits pics d'intensification? Bah c'est un véhicule de plus évidemment, quelle question. On pousse dans les rangs ennemis, allez. Allez les gars. En plus je vous envoie des dogos. Hein. Donc on n'hésite pas, on pousse. Hein. On donne tout ce qu'on a. On se la donne, on se la colle. C'était facile. Il suffisait de pousser. On a poussé, ils sont tombés. On a quelques puits de pétrole, maintenant on va pouvoir s'assurer des missions un peu coûteuses, mais j'ai pas d'unité très très coûteuse. Enfin si, j'en ai. Si, si, j'abuse, j'en ai. Qu'est-ce qui nous régalerait avant que je me tire bosser? Du lance-roquette avec un camion de bonhomme. Vous allez voir, ça sera déjà bien corsé. Pas de chien. Oh, on se fait un petit véhicule. Non, allez, on s'envoie du gros. Et un véhicule. Avec une pompe à gasoil. Un puits de pétrole, mon gars. Il va se passer tout de suite des choses. Loup-garou stable. C'est un loup-garou, il est solide sur les appuis. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il est solide de ouf. C'est parti, let's go. Ça part. Voilà. Ah, encore deux tourelles, hein. Non, secours. Ok, je me suis fait nettoyer mes boys en propre. J'attends qu'ils meurent tous. Pff, oh, l'abattage au calibre 12. Vous l'avez tous entendu. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton de crise qui est apparu au milieu parce qu'en fait, j'ai plus de troupes et que les mecs font sur ma base, évidemment. Évidemment, donc il se passe des choses sur mon écran. Subitement, on me dit, mec, ça devient chaud, tu veux peut-être faire des choses. La réponse est non. Vague ennemie en approche. Ah ça, ça envoie le camion. Ça y est, ça a décidé d'envoyer le camtar. Enfin, toi. Pourquoi je peux pas le mettre là-haut? Attendez, j'essaie de reprendre la main à la souris. Ah non, je peux pas. Voilà. Y'a un autre point où tu peux le mettre ou pas? Je peux en poser qu'un, ok. Je me suis fait arnaquer. Qu'est-ce qu'on s'envoie? Ça coûte un peu cher ça à envoyer.
Ah, il fallait peut-être que j'améliore pour avoir droit à un autre puits de pétrole, non? Non. Ouais, bon, on va attendre les troupes ennemies, hein. Voilà. J'ai sorti des arguments. Voilà. L'armée professionnelle. Ça se passe moins bien d'un coup en pôle. Hein. Moi aussi j'ai des grosses batateuses. Hein. Alors, c'était quand même très spectaculaire, c'était stylé. Hein. On renvoie des boys. Les gars, vous allez vous laisser tirer dessus par la tourelle pendant genre hyper longtemps, genre c'est devenu votre passion de vous faire tirer dessus. Ouais, la réponse est bon. Je me suis pas encore fait abattre un seul groupe. Voilà quand même. Quand même le jeu tu déconnes. Genre les mecs ils sont fait tirer dessus sur la tourelle pendant 8 ans. Ça coûte un point de combat. Ah, faut que je claque des points dedans pour débloquer le véhicule, c'est vrai. Eh ben merde, vous le verrez pas. C'est vrai, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, quand j'ai tout amélioré à fond plusieurs fois. Non, il faut. Oh, je vous ai douillé le véhicule. Je suis désolé. C'est vrai qu'il faut claquer des points dedans pour déverrouiller. Ça, je trouve ça d'ailleurs un petit peu abusé. Mais bon. Mais bon, ça fait partie du déploiement. Alors, je suis très embêté, on va être hyper short. Est-ce qu'on peut télémagouiller quelque chose pour essayer de gratter une mission? Ouais, je pense, hein, je pense que ça peut se magouiller. Attendez, est-ce qu'on peut bricoler? Ouais, j'ai 15 minutes. Ouais, 15 minutes. C'est parti pour un petit télémagouille. Alors quand même, je vous ai promis un véhicule, on n'aura pas vu. On va pour déployer. Tac, tac. Et le tank, même si c'est. Là c'est gâchis, hein. Là, c'est du gâchis clairement. Je vais me prendre de quoi me financer un peu parce que ça va me coûter un bras. Parfait, de la troupe, excellent. On a 40, on a rien. On déploie. Opération pizza niet ananas. Ok. Oh, ça fait péter du gros son quand même. Hein. Ah merde, le réflexe. C'est pas ce que je voulais, mais je l'ai fait. C'était un réflexe. Balles le bousingue, hein. Et je peux en aligner qu'un seul. Je m'ai regardé, elle fait ça t'en aura qu'un. Je peux pas en avoir deux à ce prix là. Le truc m'a coûté 2 étoiles à débloquer. 100 billets le camion. Et il prend 3 emplacements de gadjo. Le jeu il me regarde, fait non, t'en auras qu'un quand même. D'accord. J'en prends un. Hein. Voilà le char d'assal. Le char d'assaut. Fin du char d'assaut. On en prend un tout de suite. Ça coûte pas cher. Le mec est là comme ça, ça coûte pas cher.
Allez les boys, faut tenir, le char arrive. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose, mais... On dirait que ça fait du style. On dirait que c'était performant, mais moi j'ai pas... Je suis pas convaincu. Hein. La portée est appréciable, mais je sais pas si niveau précision ça vaut le détour. Hein. Tu donnes à quoi à fond toi? Renfort plus un warpipe par renfort. Groupe de front permet de déployer un VRF supplémentaire. Ah! Ouh! Là je peux lourder un Kamtar en plus. Ce qu'il vient de me dire là. Ah oui, je suis à fond, hein. faut commencer à vider les gars. Bon, on aura pas notre deuxième tank aligné. Hein. On l'aura pas. Mais on l'aura vu. J'ai pas été convaincu. Après, la portée était ouf. Hein. La portée avait vraiment l'air confort. Hein. Oh, une grosse pipe en plus. Ça régale. Attends, je viens de gagner 55 ou je suis à 55? Ah, je suis à 55. Ok. Alors, les bagarres se font vite. Donc, vu que les bagarres se font vite, on peut, on peut gratter des combats. En 15 minutes de vidéo, visiblement, on peut gratter. On gagnerait le véhicule que j'ai perdu, enfin, j'ai envie de dire. Je gagne un petit peu de piétons. Et on affronterait leurs canons à eux. Intéressant. Et ça nous ouvre l'accès sur leur île. On va s'envoyer un drone, une tourelle, des boys, plus de boys. Et je pense que c'est déjà bien. On a déjà assez de bordel. La smoke, c'est nous, ça sert à rien. Bon, le sac de sable. Ouais, de quoi ralentir l'ennemi. Ouais, non, même pas, je pense pas, y a pas besoin de plus. On déploie. On n'a pas le temps de réfléchir pendant 1000 ans là. On déploie. Alors. Le drone, c'est pas tout de suite. Donc si c'est pas tout de suite, c'est que c'est fort. Sinon le jeu te lâche pas les choses tout de suite. Si je tire à cette hauteur là, précision, on est à 100% quand je vise ici. Ok, à partir du moment que je rentre dans le camp ennemi, j'ai plus de précision. Ok, très bien. Intéressant. Oula. C'est pas bon ça. Oula, oula. Ah, ah oui d'accord, le quad à mitrailleuse il va vite. Hein. Bon il est pas solide mais il charge comme un chien. Mais... Ah oui, il y a un gaz toxique qui vous empêche d'avancer. Ah. Quoi? Rends-moi ma toile. Je voudrais toucher le camion, je peux pas. Ouais, c'est des drones explosifs. Excellent. Exactement ce que je voulais. Je crois qu'on s'est fait rayer la carrosserie. Hein.
On n'en parle plus. On n'en parlera plus jamais. En fait, là, vu qu'elle a pas de portée à tourelle, je trouve ça un peu dommage qu'elle soit pas, du coup, automatisée. Alors certes, c'est un élément pour faire jouer le joueur. C'est effectif. Allez, enfin il a pété ce machin. Je crois qu'elle est un peu fatiguée. Hein. Raté. Je savais que je le raterais. Ah, on a plus de budge. On est pauvre. Donne-moi du budge. Plus de budge. Ah, mais on est full possibilité assaut. Les assauts sont possibles et envisageables. Oui, je dirais que c'est lui qui me tire dessus. Depuis le début, je me dis, attends, c'est bizarre, je perds quand même des gars. Je suis en train de réfléchir en long, en large, en travers. Je perds quand même beaucoup de gars, je trouve. Je prends pas de tir. Mais oui, le canon qui me tire depuis tout à l'heure. C'est parce que leur tacticien, il ne balance pas de tir orbitaux, en fait. C'est ça l'astuce. Allez, juste un Rémidou. Hop, 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 hop. Faut du but. Ils sont forts. Hein. Pas aussi fort que ça, quand même. Pas déconner. Allez. Ah, j'ai pas pris une seule rayure. Ok, nice. Excellent. Oh, mais bon. Elle était plus tendue celle-là déjà. Oh, la puissance des ennemis augmente. Et on a gagné un drone. Et c'est costaud les drones, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien les drones. Ouais, je crois qu'on va être trop short. Hein. Ah non, on est encore bon. Hein. Oh. Allez. Allez, allez, on va se déployer là-dessus. Ouais, ouais, je pense qu'on est bien, c'est le monde là-dessus. On se prend un support budget. Ouais, support budget. Ouais. Une tourelle pour faire piu-piu. On s'en fout, des drones. Allez. On va bien rigoler. Escouade de mouettes. Le retour. Le retour du Muay Thai. Ça part sur un petit boogie 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 boogie. Oh, ça souque les artibus très fort. Euh,
Je sais pas si les 1, 2, 3 armes nucléaires au bout, je sais pas ce que c'est, mais je crois que je veux pas le savoir en fait. Ça envoie du rocketeer, hein. Tout est bien animé en plus. Ça c'est cool. Je peux en rajouter une autre. Ah ouais, donc l'autre c'était vraiment, c'était buggé, hein. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le... Bon, je me suis rajouté plus de trous. Attention, vague d'ennemis en approche. Soyez vigilants. Sont pas mal les tacticiens. Hein. C'est les tacticiens qui font pleuvoir du pont comme ça. Bon allez, allons nous débarrasser du pont de mine là. Plus de thunes. Je vais reprendre un tacticien. Ah oui, c'est 15$ le drone. On aura un peu de but forcément. Tue-moi ces crétins insignifiants. Je peux poser une nouvelle pompe? Bon, il n'y a pas de place pour la pompe quand même. Non, faut pas déconner. Je me dis calme-toi à un moment donné. Mais boy, il s'est commencé à jouer, il s'est fait abattre direct. Petite balle perdue comme ça. On pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Plus de thunes, plus d'effectifs. Les deux, allez, j'ai pas choisi. Ça va leur faire bizarre, il y a une petite armée de pros là, voilà. C'est parti. Ah, faut que je lourde tout. J'ai tout lourdé. $1, j'ai plus une thune. Vite, je suis pauvre. Ouais, les tacticiens en attaque, ils valent rien. Il bat en retraite direct pour aller chercher des troupes. Oh, c'est passé comme de la marde. Arrête ton petit sniper là, juste ici. Plus de thunes. On a du gars, on a juste pas. Enfin, on a la capacité de pouvoir prendre du gars, mais on a pas de but. J'ai deux pompes, hein. J'ai deux pompes pour tenir. Hein. Les drones commencent à coûter un petit peu cher, on va pas se mentir. Non, mais ça bouge encore. Ça. Ça y est, débarrassé du camtar.
faudrait que je tire le dernier pour que ça se recharge. Ok. Pour un boy de base. Saucez-moi tout ça là. Oh, tu peux sortir ce que tu veux là. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est fini, fini. Abattage. En mode vite chargeur. Ah. Ça va être l'heure de faire semblant de bosser. Oh, un tank. Oh, un nouveau cocktail. Oh là là, il me reste tellement de choses à vous montrer. Ce jeu est formidable. Ce jeu est vraiment formidable. Ce jeu est vraiment trop bien. On se refera un épisode dessus. Ce jeu est beaucoup trop bien. C'était Ktarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour Warpipes et je vous dis à la prochaine. Ciao.